Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo manuelle. On va se faire le puzzle 3D du Machicobus de Harry Potter. Normalement la vidéo devrait être de meilleure qualité, car j'ai enfin eu ma nouvelle caméra, la Logitech Brio 4K, qui est censée avoir un meilleur focus. On verra bien durant cette vidéo. Et donc, on va déjà ouvrir ça. D'ailleurs, je vais également vous montrer l'arrière. Voilà. J'ai pré-découpé déjà pour pouvoir l'ouvrir. Histoire de gagner un peu de temps. Puis si je la déchire, de toute façon, c'est pas grave. Ça portera la poubelle après. Et donc, le petit fascicule. Évidemment. Ok. C'est tout. Petite étape. Ok. Je vais mettre ça devant moi. Ça va bien tenir, évidemment. Nickel. Voilà, on a toutes les pièces. Oula. La première pièce que je prends, c'est une qui va à la poubelle. Super. Donc, avant de démarrer et de trier les pièces, il y aura également la version classique, sans montage. Mais pour cette version accélérée, je vais activer le chrono. Where to go, remember, go on, no fear, go on until
Machicobus. Voilà, dézoomer un peu. C'est mieux. Ouais, ben. Encore une fois, c'est sympa. Oh, ici. Et là, j'aurais pu récupérer les morceaux pour les coller. Pareil du côté là. Mais bon, en dessous, pareil, j'aurais pu. Mais c'est pas bien gênant, c'est moins... moins sympa quand même que le précédent. Que le train qui est ici. Évidemment. Oh, pas mal la tête aussi, entre temps. Là, voilà. La différence, c'est que devant, le Machicobus, il y a tout qui est relié devant. Ça fait moins froid, alors que là, on a juste ça devant, là j'ai pu, il y avait là que j'ai pu reboucher, donc ça va, c'est cool en tout cas. Voilà, on a déjà deux, j'en ai encore un autre toujours de cette collection là qui arrivera dans plusieurs semaines. En tout cas, bah, la vidéo telle quelle, elle est un petit peu longue, 1h25 d'enregistrement.
Mais la version accélérée sera forcément plus courte. Et je pense que c'est toujours mieux. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!